Donc voilà. Donc, بالنسبة à la mécanique du fluide, on va chauffer, inshallah, deux parties. Yani, donc, fluide au mouvement. Ou bien, on chauffe première partie, fluide statique. Yani, il n'est pas en mouvement, immobile. Statique, yani, fluide, mais qui t'harrèche, immobile. Ou on chauffe deuxième partie, donc, fluide qui est au mouvement. Là, donc, on a la statique ou bien donc fluide qui est mobile ou bien qu'un goulot dynamique. Donc, fluide qui est dynamique, yani au mouvement, qui est le maf, qui est là, zis, donc, qui est au mouvement. Voilà. Donc, on a la loi d'hydrostatique ou bien RFH. Relation fondamentale d'hydrostatique, fondamentale d'hydrostatique. On a chauffé la relation de Bernoulli, ou bien la loi théorème de Bernoulli. Donc, théorème de Bernoulli. D'accord? Voilà. Donc déjà, parmi, on va voir tout d'abord quelques propriétés du fluide. Donc voilà, maintenant, on chauffe quelques propriétés du fluide au mouvement. Donc quelques propriétés du fluide lorsque il est en mouvement. Il y a une dynamique. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on appelle 18. Donc, 18, d'accord? Je ne sais pas si c'est 18. Tout simplement, il y a une quantité de fluide. Les cailloux soient une section. Ils traversent une section par unité de temps. Donc, c'est la quantité. Il y a la quantité de quoi? De fluide qui traverse une section. Les deux fois de section par unité de temps. Nisbezem. Par unité de quoi? Par unité de temps. Par exemple, un dioxyde section, donc fluide d'arrêt par unité de temps, donc etima 18. D. Donc 18. D'accord? Donc il y a deux types de 18. Soit 18 massique, soit 18 volumique. Donc, un du type, soit qu'on a 10 bits massiques ou bien 10 bits volumiques. OK? Très bien. Donc, 10 bits massiques. Maintenant, quand on a le QM, ou bien un point, soit qu'on dit QM ou là un point, yani la dérivée. Je te rappelle que la masse par unité de temps. C'est la variation de masse par unité de temps. Donc l'unité d'IA, l'unité d'IA, c'est en kilogramme par unité de temps. Il y a donc T. OK? Donc voilà, c'est. Donc, 18 volumique, qu'un 18 massique ou qu'un 18 volumique. Donc, D de V, ou bien QV, il y a H. Il y a la variation de volume par unité de temps. Donc, là, c'est tout simplement le volume. Donc, c'est le volume. Donc, c'est le volume de quoi? De fluide qui traverse. Il y a les rails de fois de section qui traverse par
Donc, traverser une section par une unité de temps. Une section droite par une unité par T, par une unité de temps. Ça marche, ça va, Mzian? Voilà, donc, ça. Donc, c'est le débit volumique, c'est la variation de le volume par unité de temps qui maintenant, c'est en mètres cubes par seconde. Donc, seconde moins 1. Voilà, ça, kilogramme par seconde moins 1. Très bien. Donc, parfois, qui vous lit la relation. Donc, il y a des débits classiques, débit volumique, qui est la relation, les 14 binatons. Donc, je n'ai pas de la relation. Donc, relation entre Qm, il y a débit massique, Qv, il y a débit volumique, je n'ai rien, tout simplement. Maintenant, déjà, un point, d2m par dt, les rats, ça veut bien sûr d2m sur, d'abord, un billet ou le volume, il y a une froid. Qv, je vais faire Qv, d2v, il y a un volume par un petit de temps. On a déjà le temps, ok? Donc, je vais faire un billet ou un d2v, un qsmo à la d2v, un qsmo à la d2v, pour un d'abord d2v, à la madrina web, ou un qlé ou le temps, à le temps, à la qlé ou blast, à ou. Donc, je vais faire un petit peu de temps, je vais faire un petit peu de temps, je vais d2v sur dt. QV. Non? Il y a QV. Très bien. Donc, ça fait. Où est-ce que tu mets la masse à la volume? Là, QM, il y a dit. DM sur DT. Où est-ce que tu as ça, Zoula? Qu'est-ce que tu as dit? Oui. حيتاش نتوما كيتقطع سيرتو يونس كيتقطع عندك الصوت ما عرفتش فين كاين البروبليم دونك اوكي دونك هادي جوستومون هي لا ماس فوليميك اوكي هي لا ماس فوليميك بالنسبه للفلويد كنديرو ان سور في ولا دي دو ان سور دي دو في داكور دونك سي لا ماس سور لو فوليم دونك سي لا ماس فوليميك باش ديجا لي فلويد غنخدمو على لي فلويد انكومبليسي. Donc, c'est D2M sur D2V. Oui? La masse de volumique ou la roue? Ou la roue? Ah, il y a la masse volumique. Il y a la masse, il y a la masse, donc la masse volumique. Il y a la masse sur le volume, masse sur le volume, il y a la masse volumique. OK? Masse volumique, masse volumique. دونك صافي العلاقه صافي غندير هنايا هذه هي لا ماس فوليميك غندير رو وهذه هي اش هي الديبيت فوليميك غندير كي في لا كي بوين دونك فوالا فينالمون لا رولاسيون بين ديبيت ماسيك والديبيت فوليميك دونك هي دونك ان بوين اللي كتساوي كي ام غتساوي رو فوا كي في ولا كي بوين رو فوا كي بوين كاين اللي كيدير كي بوين كاين اللي كيدير كي في c'est-à-dire il y a la relation entre débit massique ou débit volumique. Alors, elle est très importante. Donc, aussi, maintenant, le poids, donc le poids volumique, OH. Quand on vous enlève le gamma, c'est oui, le poids, elle a le volume. Ou le poids à le volume, machin, ou le poids marouf, ou la masse, fois l'accélération du pesanteur, le wesh, le g. Parfois, on a dit que tu as 9,8 ou la 10 newtons par mètre carré. Donc, on a dit que tu as sur le volume. Ou a dit, il y a de la masse sur le volume, il y a h. La masse, il y a rho aussi. Il y a la masse. Yeah. Voilà, il y a la masse volumique. Donc, 0 fois, donc g. Voilà. Donc, le poids, donc ça, ça fait le poids volumique. Très bien.
Donc, bien sûr, l'unité dielo, c'est en newton par mètre cube. Finja newton, jahnaï. Donc, le poids. Le poids, quand on a fait le poids, c'est en newton, force. Donc, sur mètre cube. Le volume en mètre cube. Donc, le poids volumique, c'est en newton par mètre cube. Très bien. Donc, d'abord, on a la loi d'hydrostatique. يعني الفلويد ايموبيل راه الفلويد كنقصدو به سواء الغاز ولا ليكيد باغ اكزومبل فلويد ايموبيل اوكي دونك هاد الفلويد سواء ليكيد ولا غاز تري بيان دونك بالنسبه للوا هيدروستاتيك اش كيقول لينا تو سامبلومون غنخرجوه من واحد السيكسيون باغ اكزومبل عندي السيلاندر دونك سا سي لاكس لا فيرتيكال ديال لي زيد ici par exemple la hauteur du cylindre h à la distance à lui ça par exemple c'est z1 ça c'est l'origine de la droite Donc ici par exemple Z2 ou هذا غنسميه la section A يعني هذا surface هذه غنسميها section A OK très bien donc cette section A qui تعرض par exemple les forces donc soit qui quoi les forces donc هذه les forces OK هذا le poids ou bien la force de par l'atmosphère, pi atmosphérique, on se met pi2 par exemple. Ou là, par exemple, on se met pi1, et par là, le fluide. Donc, on se met pi1. Donc, on a qu'un de l'air. OK? Donc, on a le fluide. On a la section cylindrique. Ou, en plus de ça, on a le poids ديال هذا المخصو ديال الفلويد باغ اكزومبل دونك لو بوا ديالو الوزن ديالو غنسمي بي لو بوا اوكي فوالا دونك اليكيليبر هاد لا سوم دي فورس اللي غتطبق على هاد الفلويد غتساوي زيرو دونك اليكيليبر سوم دي فورس تيكالا تيكالا زيرو Donc, on écrit ici, la somme des forces. Donc, c'est égal à 0. Je n'ai pas les forces. Déjà, les forces, c'est nul. C'est la même quantité. Donc, c'est nul. OK. Je n'ai pas les forces. C'est P1, P2, c'est le poids. Donc, on dit... Donc, on dit P1, c'est P1. Déjà, on a F, ou bien pression. Est-ce qu'il y a une pression, la relation de la pression? C'est une force qui s'applique à la section. Donc, la pression, par exemple, à la tableau, donc, il y a une force qui s'applique, donc, il y a une force qui s'applique sur la section, à la surface. Donc, on dit, pourquoi est-ce que Parce qu'il s'agit de la force, qu'il force à la surface. Voilà. Donc, ça fait la pression P1, je vais déjà on dit la section A. Donc, c'est la section A. Donc, ça fait la force. Donc, je vais P1 fois la section A. Donc, c'est la section A. Donc, F1, les rates de fluide à la section, je vais essayer P1 fois la section A. Ou là, cette projection, elle a la force égale à 0. Et déjà, donc, il a de la projection à l'axe Z, ça va être 0. Donc, je répète.
Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la somme des forces à l'équilibre, ou bien donc la somme des forces égale à. Donc, à l'équilibre, la somme des forces est égale à 0. OK? Donc, je vais maintenant, la force transmise à des forces de la fluide, donc transmise à F1, plus force de l'atmosphère d'Arjaoui à la section transmise à F2, plus les forces transmises à, par exemple, sommation de F3, plus les forces de la sommation de F4, donc la besoin de est égal, tout ça égal à 0. D'abord, il a donné la projection. Il a donné l'isqar. Il a donné l'isqar projeté ou bien projection sur OZ. Il a donné l'isqar. Hadi, il a donné la projection. Alors, l'axe Z. L'axe Z fait le sens. Ou Hadi, les forces fait le sens. Donc, le produit scalaire, je vais savoir Hadi l'angle, pi sur 2. Donc, projection, je vais atteindre. Cos pi sur 2, le produit scalaire, cos, c'est 0. Voilà. Donc, je vais atteindre 0. Ça, égale à 0. Ça, également, égale à 0. Ça, je produis projection. Où est le produit scalaire? Le produit scalaire, je vais cosinus. Cosinus pi sur 2, il y a 0. C'est ça. L'axe Z, voilà. Où est les forces? Radif, c'est le sens. Donc, cos pi sur 2, c'est 0. Projection ou le cosinus. Donc d'abord, on joue F1. Il a donné F1, en fait, le sens. Il a le même sens que EZ. Il a tenté la plus. Allez, hein? Donc, on a tenté la plus. Allez, hein? D'abord, F2, il a dit. F2, en fait, le sens. Ou Z, le sens. On a tenté la moyenne. Oui. Voilà, moins F2. D'abord, on signe le poids. On signe le poids. Plus, on signe le poids. Plus le poids, P égale à 0. D'abord, on signe le poids. Le poids fait le sens. Moins P. Donc, moins P. Voilà, moins le poids. Tout ça égale à 0. Donc maintenant, je vais remplacer F1, expression d'IALA, il y a la pression P1 fois la section A. La force ou bien la pression, qui est une force, elle a la section. Donc ça fait F1, P1 fois la section. F2, moins P2 fois la section A. Déjà la section, moins le poids P égale à 0. ما نعودوش الثبتية بقيمة ديالها. وي غنعوضها بقيمة ديالها par la suite. Donc l'expression ديال le poids P. Normalement le poids par définition est égal donc rho G la hauteur Z2 moins Z1. Donc l'expression ديال le poids. Le prof, P ديال l'atmosphère elle est. Non? P dit le poids ou le dit l'atmosphère? Le poids, le poids. Le poids, définition dit le poids. Donc, je vais me montrer la relation. On a P. Donc, on a P. Le poids, le wazn. Le wazn dit le système de l'examiné. Le poids, le poids, P. Oui. P. Donc, le poids P, est-ce qu'il s'agit? Normalement, qu'il s'agit M fois G, c'est ça? Donc, il s'agit M, il y a H. Il y a la masse, normalement, on a la masse volumique, il s'agit M sur V. Donc, ce qui implique la masse M, il s'agit rho fois V. Donc, le poids. Ah, t'es là. Rho fois V fois G. Donc, V ou H. Normalement, maintenant, section de l'Ikhdam, elle est ou elle. On a un Z2. On a un Z1. On a un la hauteur
ou bien donc la section, on a la section section A. Donc le volume de cette section, je vais vous montrer comment le volume V. V de cette cylindre, je vais vous montrer le حجم ديالو. يساوي زد زد يساوي زد سميتها يساوي زد 2 موان زد 1 فوا هو الارتفاع فوا هذه المساحه ديال ديال لا باس ياك وي حيتاش معروف الحجم ديال السيلندر هو هذه المساحه كضربوا في الارتفاع والارتفاع هو زد 2 موان زد 1 Donc ça fait section A fois Z2 moins Z1. Donc je vais dire ça. Rho G Z2 moins Z1 fois section A. Ou Z2 moins Z1, voilà autour H, dièse cylindre. Voilà autour H, dièse cylindre. Donc finalement, donc je vais dire que là. Donc, Drna. Moins ou bien P1 fois section A moins P2 section A moins le poids P les voies rho G A Z2 moins Z1. Tout ça, la somme des forces est égale à 0. Donc ce qui implique d'abord section rattrace loop section. Section A, section A, section A, et simplifiant. Donc ça fait P1 moins P2. Moins Roger Z2 moins Z1 égale à 0. Ce qui implique donc P1. D'abord, on jib l'ifium 2, on jibum l'ena, l'ifium 1, on jibum plaston. Donc P1 moins plus Roger Z1 égale donc P2 plus Roger Z2. Donc si fait un ma RFH, relation fondamentale d'hydrostatique implique. Donc P, si fait un ma dit, quand je m'en dis, le plus important, P plus rho GZ est égal à une constante. Regarde ça, une constante. P1 plus rho GZ1 est égal à P2 plus rho GZ2 est égal à P3 plus rho GZ3 est égal à P4 est égal à une constante. Donc, on voit la relation fondamentale d'hydrostatique. Donc, ça, juste pour les fluides immobiles. Fluides immobiles. Il y a un mec qui est très immobile. Ça marche? Oui. Voilà. Donc, le lien est la loi très important. La loi le plus important. Plus rho GZ constante. Et c'est ma relation fondamentale de rho statique. Par un chauffe-eau, l'équation de Bernoulli. Donc, le cas d'IL fluide au mouvement. Donc, équation de Bernoulli. Donc, fluide dynamique. Un fluide qui est très au mouvement. Là, on a le dynamique. Okay. Voilà. Voilà. Donc, pour un fluide, pour un fluide, soit liquide ou la gaz, sont des fluides. Pour un fluide en écoulement, permanent. Est-ce que c'est un écoulement permanent? C'est-à-dire donc les effets viscaux et les pertes d'énergie sont négligeables. La viscosité est négligeable, les effets de la viscosité. Écoulement permanent. Donc, faites le principe de conservation de l'énergie. Faites le cas de la loi de Bernoulli. Donc, la loi de Bernoulli. Qui est écrit à la chèque. Donc, c'est 1 demi. Il y a l'énergie. Le terme de l'énergie cinétique. Puisque le fluide est au mouvement, donc il y a le terme de l'énergie.
Donc, les ou à un demi. Quand on a fait bien l'énergie cinétique, normalement, il y a un demi MV carré. Voilà. Donc, on a le terme, les prévents des règles d'être l'équation fondamentale d'hydrostatique, les chenabouilla. Chenabouilla, RFH, RFH, IH. Il y a P plus RGZ égale et une constante. En effet, le cas, maintenant, la vitesse est nulle. Elle est le mouvement. Le fluide n'est pas au mouvement. Quel est le cas d'IL spatique? Très bien. Donc d'abord, on a dans l'équation de Bernoulli. Yani, le fluide il est au mouvement. Donc, on fait le cas. La relation devient si 1 demi m v carré plus pi v plus m gz est égal donc une constante. Donc ça c'est l'énergie, donc ça s'appelle énergie mécanique au mouvement, énergie mécanique d'une masse m. Et alors, la masse d'un fluide d'une masse m. Très bien. Parfois, qui est goulik, dalalat v, la masse volumique. Donc je vais dire, je vais rassembler là. على V سي كلشي غنقسمو على V دونك غنقسمو على V دونك صافي عندي 1 demi normalement M V carré plus pi V plus M GZ égal à une constante c'est-à-dire la relation ديالنا la relation de Bernoulli donc maintenant si on divise par V غنقسمو على V donc ici غنقسم على V On va se mettre à V. Donc, ça fait ce qui nous donne 1 demi M sur V, il y a la masse volumique, V carré, plus V, M à la V, il y a Rho, GZ, tout ça égale à une constante. Si je constante, elle a une constante, ça va être constante toujours. Voilà, qui justement a des constantes, on va se mettre à par exemple constante 1. هذه الكونستانت ماشي بحال هذه يعني راه نسميها كونستانت 2 دونك سا سي لينيرجي ميكانيك فوليميك اوكي دونك سا سي لينيرجي ميكانيك فوليميك انرجي ديال واحد الفوليوم ديال الفلويد قبيله قلنا لينيرجي ميكانيك دون ماس واحد لا ماس دابا انرجي ميكانيك كيفاش قسمنا على الفوليوم انرجي ميكانيك دون فوليوم ou bien l'énergie mécanique volumique. J'ai dans la masse volumique. Volumique. Très bien. Si, par exemple, maintenant, on a un là, au lieu d'un axe là, V, un axe là, la masse. Oh. Non L'axe là, la masse, c'est l'énergie mécanique de volumique, volumique. Merci. D'abord, un axe là, la masse. Donc, là, c'est la relation en ce moment-là divisée par la masse. On va s'attendre à 1 demi V carré. J'ai en ce moment-là la masse divisée par la masse, divisée par la masse, divisée par la masse, divisée par la masse. Donc, on va s'attendre à plus. Donc, P sur M, IH, ou bien V sur M, IH. Maintenant, la masse volumique, c'est ça, oui, M sur V. Donc, ce qui implique V sur M, ça va être 1 sur Rho. Elle est l'inverse. Donc, ça, c'est 1 sur Rho. Donc, ça fait P sur Rho plus la masse GZ est égal à constante 3. Très bien. Donc, ça, ça s'appelle la masse volumique. Massique, la masse ou bien l'énergie mécanique massique. Énergie mécanique donc massique. Donc, avec l'exemple, il y a
هي هذه هنايا سور او دابا غنقسموا على جي اوكي دونك غنقسموا على جي جي نقسم على جي جي دونك اش تعطينا هاد لا غولاسيون غتعطينا ان دومي في كاري سور جي بلس بي وهذا شنو سميناه في الكور هو داك غاما غاما كاين اللي كيمزول دونك ليه اوميغا بار كاين اللي كيدير اوميغا بار كاين اللي كيدير غاما سا ديبون البروف سوا اوميغا بار ولا غاما دونك هذا سي لو بوا اللي شفنا في الكور لو بوا فوليميك كيما قلنا غاما كتساوي اوميغا بار كتساوي لو بوا سور لو فوليم سي ام فوا جي سور لو فوليم وهذا سميناه هي رو رو فوا جي دونك هو هذا رو فوا جي هو لو بوا فوليميك Donc, plus la dernière relation. Donc, ici, on se met là. Plus, ici, donc, j'ai rassemblé, plus Z est égal à constante 3. Donc, à dire, on se met là, il y a H, il y a l'énergie mécanique par unité de poids. Énergie mécanique par unité de poids. Donc l'énergie mécanique par unité de poids. Voilà, par unité de poids. Donc le poids, voilà, poids volumique. Très bien. Donc maintenant, on chauffe les unités de chaque grandeur. Donc, par exemple, le poids ou bien la pression. Donc, la pression, faire de la relation, c'est quoi la pression? C'est en pascal. L'unité dialogue en pascal. Les y a newton par mètre carré. Donc, là, qui se met là, la pression. Voilà. Donc, maintenant, ρ. ρ, c'est la masse volumique. L'unité dialogue à kilogramme par mètre cube. Maintenant, U, bien, se met là, V, ou à la vitesse. ديال الفلويد السرعه دونك لا فيتاس ديال اش ديال الفلويد اون ان بوين بيان سور فواحد البوين ديال داك الفلويد اون ان بوين لينيتي ديالو سي اون متر بار سكوند يس الوحده ديالو هي المتر على ا سكوند جي سي لاكسيليراسيون دو لا بوزونتور دونك تسارع دونك لاكسيليراسيون دو لا بوزونتور Ok, c'est en newton par kilogramme ou bien mètre par seconde carré. Donc la dernière grandeur, on voit Z. On voit Z qui est le côté ou bien l'altitude en mètre côté, donc le côté ou bien donc l'altitude. Bien sûr, c'est la distance, donc c'est en mètre. C'est bon, Chabab, c'est bon, ça marche? Kemlo? Oui, bon. Voilà. Z, c'est mieux? Non? Non, mais c'est Z, prof, l'excel, il y a Z. Z, il y a l'altitude, ou bien le côté. D'accord, le côté, ouais, il y a la position. Par exemple, Damien Fena, Z1, Z2, ou à l'altitude, par exemple, le fluide, Damien a deux points, la fait deux points, ou à l'altitude ou bien le côté, c'est au mètre. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Donc, l'écoulement. Donc, l'écoulement d'un fluide. Donc, par exemple, si le champ d'un vecteur vitesse de particules, si le champ, là, quand le champ de vitesse
يعني هذا par exemple la vitesse V1 ديال هذا البوان A la vitesse V2 la vitesse V3 par exemple عندنا واحد الفلويد دونك ici cylindre ça V4 ça V5 ça V6 et la اخر يعني la vitesse du coulement c'est le champ دوا le champ des vitesses يعني الحقل ديال les vitesses ديال هاد لي لي بوين si le champ des vecteurs des particules ou bien des vitesses des particules des vecteurs vitesse des particules vecteur vitesse des particules vecteur vitesse des particules il constante des particules de fluide il constante d'un fluide il constante dans le temps il y a donc les vitesses dans le temps alors donc alors je vais dire l'équation de la continuité donc alors donc maintenant équation un autre de la continuité donc l'équation de la continuité je vais te dire l'équation de la continuité donc déjà un autre de conservation de masse par exemple on dirait un air c'est mieux donc un autre de la conservation de masse qui m'a glan donc un autre par exemple un fluide la conduite conduite ok donc هذا par exemple عندي هذا البوان عند la vitesse on سميها par exemple V1 وهنا عندي واحد la masse élémentaire on سميها D2 D2 M1 واحد section D2 X X1 la distance هذه on va dire on سميها grand M يعني la masse ديال هذا الفلويد donc ici également on se met la vitesse V2, on dirait du point, on se met à sur radial V2, on va dire sur radial V1. Donc, alors, on se met section, par exemple, 2DX2, on se met 2DM2, yani la masse élémentaire, chouïa, dit la masse, fait section, bien, on a D2M2, chouïa, la masse, on va dire la masse grand M, la masse L. Pourquoi je n'aurais à dire équation de continuité كتقول لينا بيان كونسيرفاسيون دو ماس كونسيرفاسيون الحفاظ كونسيرفاسيون دو ماس دونك الا خدينا هاد لو بوين دونك هاد السيكسيون هذا عنده واحد دونك هاد السيكسيون هذا عنده واحد دي دو ام 1 بلس هاد لا ماس كرون تيم دونك اش غتساوي غتساوي دي دو ام 2 يعني كونسيرفاسيون دو ماس D2 M2 plus même masse liée à grand M. C'est-à-dire que c'est la conservation de masse. Donc, cela veut dire que D2 M1 est égal tout simplement D2 D2 M2. Donc, c'est ce qu'on appelle la conservation de masse. Donc, nous avons déjà la masse volumique. Gros, la masse volumique. La masse volumique, c'est les fluides. Les incompressibles, bien qu'un droit à les fluides qui est bien sûr incompressible, il y a un nombre sur limite qui est constante. Donc D2M sur D2V, ce qui implique donc D2M1, Ratsawi, Ratsawi Rho1 fois D2V1. Or, donc Rho1 est égal à Rho2, est égal à Rho, jusqu'à un droit à les fluides qui est incompressible. La masse volumique dialogue, il est constante. OK donc ça fait le D2M2 sur deuxième section ADA sur D2V est égal à Rho2 donc ce qui implique donc D2M2 je vais savoir Rho2 fois fois V voilà qui a la masse volumique qui est constante donc Rho1 4 savoir Rho2 4 savoir Rho donc ça fait had la relation d'où vient Rho fois D2V1 est égal donc Rho fois D2V2.
ce qui implique D de V1, je vais ça, oui. Le volume. Donc, le volume, je vais ça, oui. Donc, la section qui m'a dit là, bien conduite. Naya, D de V1, ou bien D de X1, plutôt. On a la section. Donc, section à ce mi A. Donc, ici également, on a D de X2, la section Hada, D de M2, D de M1, Hada, bien sûr, ça oui, il y a une section. Donc, section, on se met A. Section ou ad section. Ou là, on se met par exemple IS1 ou on se met IS2. On est section 2. Il y a de la surface. Donc, il y a de la surface 2, il y a de la surface 1. Donc, ça fait, il y a de la relation à chaque fois. Rho, D de V1, il y a H. Il y a. شحال غيساوي هاد دي دو في 1 هاد السيكسيون هذا كما درنا في السيلندر هاد الفوليوم شحال غيساوي في نظركم ها هاد الفوليوم دي دو في 1 طول في الارتفاع هاد المساحه في الارتفاع الارتفاع هو هذا دي دو اكس 1 هو دي دو اكس 1 هاد المساحه دي دو اكس 1 فوائد fois is 1 donc cette misaha qui est is 1 fois cette l'irtifa qui est d de x1 donc ça fait d de v1 اش غيساوي غيساوي المساحه في الارتفاع هذه المساحه كامله يعني هذا l'ensemble des sections ديال هذا لي ديسك ضربتيها في d de x1 تعطيك تعطيك الفوليوم بحال عمرنا هذا السيلندر بزاف ديال لي ديسك ديسك فوق ديسك كيعطينا الفوليوم يعني باش نحصلوا على الفوليوم دي دو في 1 اش كنديروا كنديروا هذه المساحه هذا الديسك الاولاني كنضربوه في لا هوتور ويعطينا الفوليوم فوالا دونك صافي رو فوا اس 1 فوا دي دو اكس 1 دونك بالنسبه للاخر غيساوي اس 2 هاد السيكسيون غنضربوا في الارتفاع اللي هو دي دو اكس 2 هذا دي دو اكس 2 Très bien. Donc d'abord, on va simplifier par O, c'est incompressible. Donc ça fait X1, D de X1, je vais savoir, X2, D de X2. D'abord, on va se coucher à le temps. Il y a une parité de temps DT sur DT. Ou est-ce que je vais D sur T? Le mode de Zamani à la. المسافه على المده الزمنيه السكوند اش كتمثل هذه فيتاس في هي لا فيتاس فوالا هي هذه حيتاش هذا بالمتر وهذا بالسكوند دونك اس 1 فوا في 1 تيغال اس 2 فوا في 2 هذه هي لا ايكواسيون دو لا كونتينيتي تري امبورطونت هذه هي لو بلوز امبورطونت هي هذه كنخدموا بها بزاف عقلوا عليها تري تري امبورطونت De la relation AD, c'est l'équation de la continuité. Équation de la continuité. Très important. Donc, justement, on a une remarque d'ailleurs, que ma section qui est concubée, que ma la vitesse 4 sera. Par exemple, on a dit IS1 sur. Donc, d'après la relation, X1 sur X2. Ratsawi, donc, V1 sur V2 sur V1. V2 sur V1, voilà. Donc, voilà, très importante. D'accord, donc qui m'a dit là, donc V1 sur V2, égale donc IS2 sur IS1. Et la section 2 sur. Donc la vitesse, remarque, IH, c'est que la vitesse sera I de temps.
Quand on est plus grand que la section de l'équipe fil. Donc là, plus grand, ça devient plus grand quand d'autant plus grand que la section I fibre. Donc la vitesse, qu'est-ce qu'on kbira, كتبان لينا كبيره ملي كيكون لا سيكسيون صغير وكتكون صغيره كتبان لينا صغيره يعني بحال لا ما كيتفشش داك الفلويد ملي كتكون السيكسيون كبير سي بون بحال عندنا واحد البوطه واحد البوطه كبيره ياك عامره بالماء ودرنا واحد الروبيني لتحت ودرنا واحد الروبيني لتحت ناخذ واحد بايزون هذا Donc par exemple, هذا البوطة. درنا واحد الروبيني. درنا واحد الروبيني هنا. Donc قدما كما قلنا الا كتشوف من الفوق هادو ديز ابروكسيماسيون غنحتاجوهم بار لا سويت. ملي كتشوف من الفوق غيبان لك هاد الفلويد بحال لا ما كيتمشاش. يعني هاد سيكسيون كبير بزاف بارابور لهاد سيكسيون ديال الروبيني. الا حلينا الروبيني الماء كيخرج دونك هاد الماء غيبان لينا كيتمشى بواحد لافيتاس كبيره بارابور لهاد لافيتاس ديال هذا اللي كاين هنا الا كنشوف من الفوق كتحل الروبيني كتشوف من الفوق من هنا الماء كيبان لك بحال ما كيتحركش كاع ولكن هاد الماء اللي كاين هنا كيبان لك كيتمشى بواحد السرعه كبيره التدفق ديالو كيتمشى بواحد السرعه يعني اش لا كونكلوزيون ديال هنا اش لا فيتاس اي دو طون بلو غران يعني قدما لا فيتاس كتكون كبيره قد ما هاد السيكسيون كيكون صغير يعني قد ما كيكون السيكسيون كبير لا فيتاس كتكون صغيره يعني فيبل جربوها شوف شي بوطه حل الروبيني من هنا وشوف من الفوق واش غيبان لك ولا لا نعم فانتاست سي بون دونك هاد لابروكسيماسيون راه تخدموا به بزاف راه مهم بزاف هاد الشيء اللي قلت دابا فانتاست دونك مانو لا فيتاس مويان دونك هذه هي اوموين يعني داك الفلويد اوموين عند واحد لا فيتاس اوموين اذا شنو نورمالمون الفلويد راه عباره عن دي بارتيكول يعني اوموين لا فيتاس ديال هذا الفلويد في اوموين هي هذه اللي غنكتب لك دونك شنو عندنا ديجا عندنا ديفيت فوليميك كاش كتساوي نورمالمون كتساوي دي دو في سور دي دو تي Il y a la variation de le volume par une unité de temps. Donc, maintenant, le volume, c'est H. C'est la section fois c'est la hauteur. C'est D de X, par exemple. C'est D de V. C'est le volume, c'est H. C'est le message, c'est la surface de base fois la hauteur. Donc, c'est égal donc S fois D de X sur D de D de T. Donc, had D de X, je n'ai pas D de X sur D de T. Mais ça fait le zaman. Je vais te dire. Oui? V. Donc, la vitesse. Voilà, c'est la vitesse. Très bien, c'est la vitesse. Donc, ça fait. Donc, S, c'est la vitesse moyenne. Donc, il y a la vitesse moyenne. Donc, très importante. Donc, had la relation. Donc, il y a quelqu'un de la U, moyenne. دونك اش كتساوي دي بيت هادي راه ضروري كي قالك الامتحان ديال فلويد تري امبورطون لا فيتاس مويان تري امبورطون سي لا فيتاس مويان او متر بار سكوند دونك فوالا كاينين ها هما كي نديرو هذا سيو نبداو كاين فامال زيكسيرسيس لا هما ممكن نبداو بهذا نديرو هذا المهم حتى هو ممكن غير درتي هذا راه تعرف كيفاش ندير لي زوطر دونك فوالا دونك اون كونسيدير ان ريزيرفوار
Donc cylindrique, يعني بحال donc un cylindre. Réservoir cylindrique, voilà. Il se forme d'un cylindre. Donc, le diamètre intérieur, donc diamètre D2. Donc, D2, les questions sont 2 mètres. Rempli d'eau jusqu'à la hauteur H. H est égal à 3 mètres. De réservoir est muni d'un orifice. Donc, à d'awal orifice. Donc, muni d'un orifice de diamètre 10 mm. Il y a trois à revenir. Donc, 10 mm. Permettant de faire évacuer l'eau. Donc, si on laisse si on laisse passer un temps cryptique, D de T, le niveau d'eau, H des réservoirs descend d'une quantité D de H. On a la quantité D de H. On note donc la variation, donc la vitesse V1, c'est D de H par unité de temps. Donc la vitesse de descente du niveau d'eau est V de la vitesse de coulement dans l'orifice. On a dit que la vitesse de coulement. On donne l'accélération de pesanteur à Yann Atea, c'est 9,8 mètres par seconde. Y crée l'équation de continuité, on déduit l'expression de V1 en fonction de V2. Donc, je nous glisse à l'équation.